De temps en temps, sur Guild Wars 2, il nous arrive de sortir de nos transats, malgré la super vue sur Kanta, pour aller farmer, pour aller récolter, pour les crafter ou que sais-je. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus précisément justement aux récoltes, aux outils de récolte et aux glyphes, ces objets magiques que l'on peut glisser à l'intérieur des outils. Et ça peut être assez intéressant d'optimiser tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va faire une vidéo sur les glyphes 4 ans après la précédente. J'ai vérifié même si je disais pas trop de bêtises dans celle d'il y a 4 ans à l'époque, et globalement je vous présentais l'arrivée pour avril 2018 des glyphes dans les outils limités, comme quoi il y allait avoir plus d'outils limités qu'avant, qu'on pourrait les placer d'un perso à l'autre, ce genre de choses. C'était toute une nouveauté à l'époque, et depuis je ne me suis jamais vraiment attardé sur ces glyphes, alors qu'en fait il y a pas mal de choses. Dans la vidéo d'il y a 4 ans, je vous expliquais les différents types de glyphes qui était présenté, mais maintenant on va s'intéresser aux différents types d'outils déjà, parce qu'il y a plusieurs outils avec plusieurs apparences, mais pas que, et différents glyphes qui vont être plus ou moins utiles selon ce que vous cherchez à obtenir dans le jeu et selon votre manière de jouer. Je sais que par exemple je joue des glyphes qui ne sont pas forcément ce que tout le monde joue, mais je trouve que c'est un confort sans nom et je privilégie clairement le confort, comme vous avez déjà pu le voir avec la vidéo sur les drones de Jade où je vous disais que je préférais augmenter mes montures et mes deltaplanes plutôt que d'obtenir des loots un petit peu plus par-ci par-là, parce que je préfère être à l'aise. Et bien là l'idée ça va être à peu près la même. On va regarder les différents types de glyphes, avec quels outils ils se combinent ou non, et s'ils sont intéressants ou non. Pour découvrir un petit peu tout ça, on va reprendre déjà qu'est-ce que les outils de récolte. Il y a 3 types de récoltes sur Guild Wars, 3 types d'outils. Jusque là, chaque outil a une récolte particulière. Vous les avez dans votre page de héros par défaut, avec ici en bas les différents types. Soit vous avez des objets basiques, vous récoltez, vous mettez dans votre inventaire, très bien. Soit vous en avez des spécifiques limités qu'on peut acheter auprès de certains PNJ qui vous donneront de la magie volatile par exemple, ou de la magie déliée, mais ça, à chaque fois, il faut les racheter comme les objets basiques. Ou alors, vous faites le choix de passer par la boutique de Guild Wars 2, vous payez un petit peu de confort supplémentaire et prenez des outils illimités. Pour peu que vous les combiniez en plus après avec des inventaires partagés, vous pouvez les récupérer sur chaque personnage en double-cliquant ainsi. Et ça, par contre, je vous le recommande. Dans tous les cas, peu importe le type d'outil que vous prenez, c'est un sacré confort. Et donc après, il se retrouve ici, vous voilà avec des outils illimités qui ont des apparences un peu spécifiques et ces apparences ont un rôle clé parce que ils se sont dit que telle apparence allait avoir un temps de récolte plus ou moins rapide. Il y a un petit tableau que je vous remettrai que j'ai retrouvé sur Reddit. Il n'est plus à jour depuis hélas, mais des gens s'étaient amusés à calculer le temps nécessaire pour récolter en fonction de l'apparence choisie. Par exemple, un objet basique, on voit qu'on se penche, qu'on ramasse, etc., qu'on se relève, très bien. Avec certains objets, donc par exemple la faune moissonneur du consortium, j'en suis très content, c'est vraiment un coup très rapide, et en plus, c'est le genre d'animation qu'on peut interrompre en cours. Donc, dès qu'on voit que l'objet est apparu en bas à droite, on peut faire un petit pas en arrière et interrompre pour optimiser ce temps. Et je trouve que ça colle plutôt bien à l'idée que je me fais de cette boutique, où on n'est pas sur un pay to win, et loin de là, on est sur un jeu où on peut s'optimiser son confort, s'acheter du confort, et ça, c'est relativement agréable. Donc l'idée, c'est qu'on a des objets qui peuvent être plus rapides que d'autres. Donc là, faites bien attention à l'apparence que vous choisissez. C'est assez minime, concrètement, à partir du moment où vous n'êtes pas sur l'objet de base, vous allez forcément à peu près plus vite, mais certains vont encore plus vite que d'autres. Donc déjà, il y a une première optimisation. Je sais que Consortium fait partie des très prisés. On a également ceux de l'Alliance de la Fusion, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remets donc le petit tableau à l'écran pour pas que je vous dise trop d'imbécilité à ce sujet-là, sachant que, comme je vous le dis, il n'est plus à jour, toutes les apparences ne sont pas listées, mais déjà, ça vous donne un ordre d'idée sur pourquoi éventuellement investir dans cet outil illimité. Maintenant que vous l'avez, on cherche à l'optimiser. Je vous l'ai dit, on peut mettre des glyphes dedans. Moi, vous le voyez, je suis resté dans l'optique d'optimisation de confort. Le glyphe d'industrie, la récolte s'effectue 50% plus vite. Donc vous allez le voir, je vous ai ouvert ici le comptoir avec les différents glyphes qui existent. Je les ai rangés par prix. Et le glyphe d'industrie n'est pas le plus cher. On est autour de 150 PO, c'est le 5e de la liste. Alors pourquoi ce choix? Je suis parti du principe que c'est un objet de confort, que j'ai pas envie de m'éterniser à ramasser des objets par-ci par-là. Je veux que ça se ramasse vite et que je puisse enchaîner avec mes autres activités. Donc j'ai pris, sans le savoir à l'époque, des objets qui en plus ont des animations assez rapides, couplés au glyphe d'industrie. Globalement, dans la même idée, il y avait également le glyphe de moisson qui lui est déjà un peu plus cher, 3e du classement, qui permet de récolter toutes les zones riches en ressources à proximité qui sont compatibles avec l'outil. Donc évidemment avec une pioche, vous n'avez pas coupé un arbre, et inversement. Mais dans l'idée, ça permet de faire des récoltes groupées. Donc ça, c'est si vous êtes dans la même optique que moi. Comme je vous l'avais dit avec les drones de Jade, moi je suis là pour le confort,
j'ai augmenté ma monture, j'ai augmenté mon deltaplane, mais maintenant j'augmente ma vitesse de récolte tout simplement, ou éventuellement moisson pour en récolter plus d'un coup. Après il y a le joueur qui se dit, moi je suis là, j'ai dépensé 1000 gemmes ou 800 si vous avez pu bénéficier d'une promotion par outil, donc il va me falloir des lustres pour rembourser ça. À l'heure où je vous parle, 1000 gemmes c'est à peu près 320 PO, il va falloir en couper du bois et en ramasser des carottes avant de les rembourser. Mais soit, auquel cas, si vous êtes dans une optique de remboursement de l'outil, et en plus, si le glyphe ne vous correspond pas, que vous avez acheté un glyphe en plus, du glyphe en plus, on rajoute donc 100, 200, 300 PO pour certains glyphes. Il va falloir couper des carottes, vraiment. Hein. Vous avez des glyphes qui seront plus rentables que d'autres. Et généralement, ben, le prix de la glyphe ou du glyphe en question va vous donner un indice. Certes, c'est des objets rares, donc ça fait monter le prix, mais c'est aussi que ceux-là ont plus de demandes que d'autres. Donc, comme vous le voyez sur le tableau de la guilde des Fast, une fois de plus, hein, c'est vraiment eux les meilleurs, je vous remets le lien dans la description, eh bien la volatilité sera l'objet le plus rentable. On parle de quelques pièces de cuivre par coup que vous allez mettre avec l'outil. Quelques pièces de cuivre pour rembourser 300, 600 PO d'investissement. Donc une fois de plus, pour moi, les outils limités, c'est du confort, ça sert à rien d'aller chercher la rentabilité. Soit vous êtes confort comme moi, rapidité avec l'industrie, ou alors moisson. Confort d'en ramasser plusieurs d'un coup. Soit vous êtes plutôt dans l'optique, on cherche quand même à optimiser les petits sous, alors auquel cas vous partez sur volatilité si c'est vraiment de la rentabilité pure, soit vous partez tout simplement sur des objets qui vous manquent. Travailleur du cuir, si vous manque encore un peu de cuir malgré votre drone. Ou alors vous partez sur la bonté qui vous permet de redonner un coup avec 33% de chance de donner un coup supplémentaire. Ou encore le factionnaire mécanique qui va vous rajouter des pignons par exemple. Donc lui je l'ai et je sais que bah, de temps en temps voilà j'ai un stock de pignons qui se fait, ça me permet de faire quelques crafts ou de les revendre, c'est toujours un petit confort supplémentaire. Mais c'est pas celui que je joue le plus souvent, je l'ai en plus sur un autre outil plus ancien. Donc vous avez le choix et globalement bah, plus vous descendez dans les prix, plus a priori c'est des choses qui vont pas être exceptionnelles, soit parce que les pourcentages de réussite ne sont pas exceptionnels, le gardien du temps par exemple, 33% de chance de terminer la récolte instantanément, sur le papier c'est pas mal, mais 33% de chance contre 50% de rapidité supplémentaire systématiquement avec l'industrie, on fait vite le choix. Donc deux types de joueurs, confort, optimisation, vous avez selon votre type les deux exemples de choix à faire dans cette vidéo, comme ça vous saurez quel objet prendre ou non en fonction de ce que vous jouez. Sur ce je vous dis ciao ciao, c'était Baderas.